Nous poursuivons notre émission spéciale de 24/60 sur la découverte de l'hélicoptère de Stéphane Roy et des corps de Stéphane Roy et de son fils de 14 ans. Aujourd'hui, un peu au nord du Mont-Tremblant, nous allons nous rendre à Sainte-Sophie, retrouver Daniel Roy, le frère de Stéphane Roy, entouré de ses trois enfants. Monsieur Roy, nous sommes très reconnaissants que vous nous parliez ce soir, malgré les circonstances. Toutes nos condoléances d'abord. Merci beaucoup. Vous teniez à rendre hommage à votre frère. Je tenais à être ici, je tenais à être présent ce soir. Oui, je tenais à rendre hommage à mon frère. Je tenais aussi à parler au nom de la famille, au nom... vous assurer qu'on est toujours une famille très, très, très unie. Je voulais remercier les proches, les bénévoles, le Québec en entier qui se sont mobilisés depuis 15 jours. Vous nous avez donné l'énergie qu'il fallait pour arriver jusqu'à la fin de cette histoire. Malheureusement, le premier jour où je me suis rendu ici, je savais qu'il y avait quoi d'important qui se passait. Je savais qu'on n'avait pas le contrôle sur ce qui s'était passé, mais qu'il fallait tout donner, qu'il fallait garder espoir puis, pour les retrouver le plus rapidement possible. Et on s'est parlé il y a deux jours, M. Roy, et on saluait le fait que vous vous accrochiez à l'espoir de le retrouver vivant. On saluait le fait qu'il y avait une énorme mobilisation, qu'on s'apercevait que, finalement, les Québécois étaient touchés par le sort de votre frère et de son fils, que, finalement, la compagnie Savoura aussi a occupé une place importante dans le cœur des Québécois. Et on saluait le fait que cette famille-là, cette famille Roy, elle est tissée, serrée aussi. Vous vous êtes accroché pendant ces deux semaines-là à l'espoir qu'il soit toujours vivant. Pourquoi? C'était à cause de sa personnalité? Bien, écoutez, tous les gens qui ont côtoyé mon frère vont vous dire la même chose. Puis ils vont vous dire tout ce que j'ai dit depuis le début. Écoutez, c'est un battant. Il aurait fait la même chose pour qui que ce soit dans sa famille, ses proches. Il aurait tout donné. C'est quelqu'un qui avait un grand cœur. C'est quelqu'un qui était aussi déterminé, qui était plein de projets. C'était irréaliste là, de même penser que le pire était arrivé. On se devait absolument d'unir nos efforts. Puis c'est pas juste une deux personnes. Il y a eu une mobilisation à l'intérieur de la famille, à l'intérieur des amis proches. Tout le monde a sorti le meilleur de soi pour être capable d'en arriver à le retrouver. Le pire scénario qu'on ne voulait pas vivre, c'est de ne jamais le retrouver. Oui. Alors, c'est ça. Vous pouvez entreprendre votre deuil. Évidemment, c'est extrêmement difficile à faire. On voit que vous êtes bien entouré. Vos enfants tenaient à être là, hein, avec vous, à vos côtés ce soir, n'est-ce pas? Oui, mes enfants tenaient à être là. Il faut pas oublier, on a parlé beaucoup du PDG de Savoura, de mon frère, mais il ne faut surtout pas oublier Justin, hein, oui. mon neveu, le petit cousin ici avec mes enfants. On a tout fait ça pour Justin et pour Stéphane. Et écoutez, moi, j'ai appris la nouvelle. Quand j'ai appris la nouvelle, je savais pour mon frère, la famille savait pour mon frère, mais on n'avait pas de confirmation pour Justin parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts un de l'autre. Et on était encore fighters, on était prêts. J'ai rappelé la Sûreté du Québec, j'ai dit, dites-moi ce qu'il faut faire. J'ai des drones, on a des hélicos. On va tout mettre en place pour le retrouver. Mais finalement, j'ai eu un téléphone quelques minutes plus tard pour me dire qu'il l'avait retrouvé tout près de mon frère. Monsieur Roy, on est très reconnaissant que vous nous parliez ce soir. Qu'est-ce que la Sûreté du Québec vous dit pour la suite des choses? Comment ça va se passer pour la suite des choses? Écoutez, je vais laisser la Sûreté du Québec venir. J'imagine qu'il va y avoir un rapport du coroner, il va y avoir sûrement un rapport du BST. Il faut que le Québec tire des conclusions de cet accident-là. Il y a des choses, il y a des lois qui vont devoir changer. Tout le travail qui a été fait, toute la mobilisation qui a été faite pour retrouver un hélicoptère qui a crashé sans qu'il y ait de balises de sécurité qui a été émise, c'est impensable. Fait qu'on va travailler pour que ça porte fruit pour d'autres plus tard
écoutez, c'est, y a des choses à changer, j'en suis certain. Oui, c'est un grand aujourd'hui, mystère. Aujourd'hui, en 2019, on est capable de trouver des choses sur la Lune à partir de la Terre, mais on n'est pas capable de trouver un hélicoptère avec deux personnes. Il y a des choses qui doivent changer. On n'est plus... La technologie a beaucoup évolué, mais on va commencer par faire notre deuil. On va vivre ça en famille, mais écoutez, je vais laisser venir les choses. Et ça, M. Roy... Le principal, c'est de les retrouver, oui. Vous n'avez pas d'explication hein, pour l'instant, parce que nous aussi, on est tout aussi étonnés du fait que la balise de détresse ne se soit pas déclenchée. Vous n'avez pas d'explication au moment où on se parle? Non, aucune explication. Écoutez, nous, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont trouvés. J'ai même pas regardé les images. Mmh. On a fermé la télé. On avait déjà préparé, toute la famille a été rapatriée à Sainte-Sophie. Dans la résidence de mon frère et de sa conjointe. On va se soutenir, on va s'occuper de nos proches. Il y a des gens qui vont faire le travail, j'en suis certain. Non, pour moi, les réponses vont venir plus tard. Ça peut attendre. Présentement, on va penser à notre famille, nos proches, faire notre deuil. Puis on va accompagner Stéphane et Justin. Monsieur Roy, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Bon courage pour la suite des choses et encore une fois, toutes nos condoléances à votre famille, la famille proche, mais aussi la grande famille de la compagnie Savoura. Monsieur Roy, merci beaucoup. Merci à vous.